Salut les compagnons, donc je suis avec mon ami Michel qui est là aujourd'hui pour me donner un coup de main. Donc ça va être vraiment bien, donc on attaque la peinture, ça va être vraiment bien. Alors comme je vous avais dit que j'allais peinturer au pistolet. Et du coup on va pas faire comme ça, on va le faire au rouleau parce que finalement ça va être plus simple. Donc on n'a pas besoin de tout cacher, il y a juste quelques petites choses à cacher. Donc c'est parti, on attaque, on avance. Vous voyez quand ça fait comme là, je sais pas si vous voyez bien, je vais zoomer. Et des yeux de poisson, et ben c'est que soit mal poncé, soit ça a été mal nettoyé ou les deux, donc c'est qu'il y a un petit peu de gras dessus ou des choses comme ça. Je vais peut-être devoir reponcer un petit peu à certains endroits pour que la peinture accroche bien. En parlant de peinture, j'ai deux sortes de peinture. Peinture pour les murs qui est du latex, normal, et j'en ai une autre en fait qui est acrylique. Et là qui est plus pour les meubles et ainsi de suite, ça va mieux tenir. Une fois que c'est bien sec en fait, ça tient beaucoup mieux sur les meubles, surtout sur des surfaces qui sont un peu genre plastique ou du bois, mais du faux bois, des choses comme ça. Ça va être mis pour du long terme et pas pour du court terme. Donc voilà, bah on continue la peinture. Comme vous voyez déjà, ça a bien éclairci hein. Salut tout le monde, bon voilà, aujourd'hui deuxième jour de peinture pour Sébastien. Nous il fait super beau, alors on a vu qu'en France apparemment vous aviez un temps pourri, donc on croise vraiment les doigts pour que le soleil qui est chez nous finisse enfin par arriver là-bas. Nous de notre côté on va justement profiter du soleil, les enfants et moi avec une amie, on va aller pique-niquer dans un parc et puis profiter pendant que il y en a un qui trimera. On vous souhaite une bonne journée, bye bye. Alors je suis vraiment content parce qu'hier j'ai eu un bon coup de main de mon ami Michel qui est venu comme vous avez vu peinturer avec moi, peindre pour ceux qui préfèrent le bon français. Et aujourd'hui donc je vais attaquer la deuxième couche. Je vais continuer à faire les tours de fenêtres, tous les angles qu'on ne peut pas faire au rouleau, donc faire tout ce qu'il y a à faire au pinceau. Mais c'est ça, donc on va aller dans ce sens là, on va continuer. Et puis voilà. C'est de la merde la fin, donc on va couper. Michel m'a donné un bon conseil en fait pour faire les bas des murs avec la moquette. Parce qu'en fait la moquette remonte pas mal, elle est assez épaisse. Et pour mettre en couleur le bas du mur, il m'a conseillé de prendre une tôle. J'ai pas trouvé de tôle, mais j'avais une grande toute fine planche en bois. Et je viens d'essayer, ça a pas l'air de casser vu que je suis pas bien épais. Donc ça va le faire je pense, donc on va faire comme ça, on va essayer avec ça et voir ce que ça donne. Et ben ça semble avoir fonctionné hein, merci Michel. Alors Michel qui est en parenthèse en fait, si vous avez besoin un jour, il est courtier immobilier sur Montréal. Donc si vous avez un jour besoin de acheter ou vendre votre appartement ou votre maison, il est vraiment top. Il n'est pas là pour essayer de tirer le maximum d'argent, mais vraiment il est vraiment là au service de ses clients je trouve. Et en plus de ça il a des grosses connaissances au niveau des travaux et tout ça, donc si vous cherchez par exemple un bien immobilier, il va pouvoir vous donner plein de conseils si c'est bon ou non à acheter, il s'y connaît vraiment. Donc si un jour vous avez besoin d'un courtier immobilier, je mets son contact dans la description de cette vidéo, c'est Michel Mador et vous pouvez l'appeler, il est vraiment super sympa et il s'occupera super bien de vous, j'en suis convaincu. Bon, ça pourrait être bien comme ça, mais je pense qu'il va falloir une troisième couche. Troisième jour déjà de peinture. Et comme tout le reste, c'est plus long que ce que je pensais, mais au moins c'est agréable à faire, donc c'est pas grave, même si ça prend un peu plus de temps que prévu. Les trois couches sont mises juste derrière moi. Tout le dessus est fait, tout ce mur là est fait, donc là c'est propre. Il manque deux couches sur tout ça, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, comme ça toute cette pièce-ci sera entièrement terminé, on y va, go! Quatrième jour de la peinture, j'attaque la troisième couche.
motivé et pour gagner de la place, je vais aller rechercher toutes les fixations et je vais remonter toutes les portes et tous les tiroirs pour cette pièce. Comme ça, on va se voir. Avancez, go! Neuvième jour de peinture. Je vais mettre la troisième couche aujourd'hui sur le meuble qui est derrière. Je pense aujourd'hui que je vais pouvoir attaquer la chambre qui est tout devant et la salle de bain qui est tout devant. Bah, ça commence à sentir la fin un petit peu de la peinture, donc je suis quand même assez content, même si c'est beaucoup plus agréable que le ponçage. Je mets quand même beaucoup de mérite à des gens qui font ça tous les jours, donc les peintres, enfin des gens qui sont manuels, parce que c'est vraiment éprouvant comme métier, je trouve. On continue. C'est parti! On continue. C'est 20h40 du soir, on est dimanche, j'ai plus trop le goût de revenir, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, j'avais juste un petit peu peint ce matin ici. Et du coup, Audrey a proposé de faire un tour avec les enfants en voiture, d'attendre qu'ils s'endorment et après de venir me donner un petit coup de main pour qu'on essaye d'avancer le plus possible. Idéalement, ça serait bien de terminer la salle de bain et la chambre ici, comme ça la peinture ça sera terminé. Elle va arriver, elle est en train de faire un tour avec les enfants, on espère qu'ils vont s'endormir. Bon, on espère que ça va fonctionner, comme ça je vais avoir un petit coup de main pour clôturer la peinture. Audrey est arrivée, on parle pas trop fort parce que les enfants sont couchés, ça a fonctionné, son idée était vraiment bonne, donc du coup je vais avoir un petit coup de main pour la peinture, je suis super content. Toi t'es content? Ouais, je suis contente, j'ai l'impression de participer comme ça. Ouais, tu participes, parce que sans elle qui s'occupe des enfants à la maison, ça serait impossible de pouvoir faire ça ici. Donc, ouais, voilà. C'est vrai. Bon, voilà. Bon, travail d'équipe. En attaque! Bon, c'est mon apprenti, donc je la mets sur des trucs que j'en ai un peu marre de faire, donc elle va en faire un petit peu des contours au pinceau. L'étudiante est de retour. Parce que les enfants dorment toujours. Grosse soirée. On a bien avancé, on est crevé, lessivé, mais on a lessivé les murs aussi. Donc, non. Ça, c'est blanc. C'est pas terminé en fait, il reste encore plusieurs couches. Il reste une couche à mettre de peinture et deux couches sur les boiseries. Prochaine étape. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. On va rentrer se coucher, on va aller rentrer les enfants. Puis on va se reposer un peu puisque demain on doit se lever tôt. À 8h30 du matin, donc qu'on soit prêt avant et. C'est ça, on a mis le réveil. Donc, Non, moi de toute évidence je serai levé avant avec les enfants, mais. C'est ça. On va rentrer, on va faire l'amour pour être bien fatigué. N'importe quoi.
Non, non, on va dormir. Et donc, semaine prochaine, semaine un petit peu particulière. Donc, on va s'occuper de terminer ça. On partit Sébastien. Après, peut-être qu'on refera ça le soir pour que je vienne donner un coup de main. Sinon, on a décidé de mettre les travaux un petit peu entre parenthèses parce qu'on va s'occuper de trouver en fait le pick-up pour traquer la caravane. Donc ça, c'est encore un gros morceau. En fait, on s'est rendu compte qu'il reste 2 mois et demi. Et on va y aller vite, donc il faut qu'on s'occupe du pick-up là, parce que si on n'a pas de pick-up, on va devoir mettre la caravane dans un camping et on va pas bouger. Donc c'est pas le but. Voilà, on va essayer de s'occuper de ça cette semaine et puis on a. Lors de notre repas ce midi, on a eu un petit brainstorming avec d'autres idées qui sont venues en tête. Donc, on vous en parle. On vous bientôt. En parlera bientôt. C'est promis. Bonne nuit. Bye bye. Là, quand tu montes tu les escaliers. Tu vas vraiment souvent regarder ça là. Quand tu montes là. Ouais, tu vas vraiment regarder mais toi, ça. Toi, t'es là. Petite, tu sais, quand t'arrives. Dis pas quand t'es debout, t'es pas haute.